OK. 1, 2, 3, fuck it! Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui c'est assez simple, je vais vous présenter mes favoris des derniers mois. Parce qu'écoute, en ce moment on est comme la Saint-Valentin. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo-là, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Et si vous avez pas vu ma vidéo de l'année dernière que j'avais faite sur la Saint-Valentin, je vais vous la mettre juste ici. Je vais arrêter de parler parce que esprit j'ai plus rien à dire. Puis ben sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. Donc, le premier produit, on s'en va dans la catégorie mode, slash vestimentaire, slash souliers, slash accessoires, bref, on s'en va là-dedans. Le premier item, c'est ça ici, c'est des boucles d'oreilles rondes. Puis ici, j'en ai une paire pour vous montrer. Sinon, écoute, j'en ai un petit peu partout dans mes sacs, dans mes affaires, ça traîne un petit peu partout. Je peux pas vous dire exactement où c'est que je les ai achetés parce que ça, je les ai reçus à Noël. Ceux-là, dans le fond, je les ai retrouvés dans un fond de tiroir. Fait que vous pouvez trouver ça partout. Puis c'est pas tant cher que ça. Donc maintenant, on va rentrer dans les chandails. Mais en premier, j'ai ce chandail jaune ici que je porte. Pour vrai, depuis que je l'ai acheté, je... capote. Moi, le jaune, c'est genre ma vie. Si je pouvais avoir des morceaux de vêtements puis devenir de Yellow Woman, écoute, je le ferais. Fait que j'ai trouvé celle-là chez Garage. Je pourrais le mettre à tous les jours si je veux. Mais les gens vont me trouver un peu sale de le mettre à tous les jours. Fait que je me calme. Sinon, après ça, de la marque Chaps. Mais c'est une belle veste comme ça, assez grosse, ok? Genre vraiment beaucoup. Sur le côté, il y a des petits... Il y a un tissu... Je sais pas comment le décrire, vous savez à quel point je sais bien décrire les choses. Et je me rappelle plus, elle m'a coûté combien, mais je pense qu'elle était à 50% de rabais à ce moment-là. Fait qu'elle m'a genre coûté comme 3$. Okay. Bref. Le prochain morceau, c'est un turtleneck parce que je trippe intense sur les col roulés. Vous savez pas à quel point, je pense que les 3 prochains morceaux, c'est encore des turtlenecks. Donc, c'est un beau petit col roulé marron comme ça. Puis celui-là, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo What I Got For Christmas. Je suis vraiment pas certaine, mais je pense que c'est ça. Tu sais, il est comme pas trop crop. Quand je vois ta bédaine, ton ombre, c'est malaisant. Bref, il est juste crop parfait. Celui-là, c'est un pull. Et c'est un petit col roulé gris comme ça, un petit sweater qui vient encore une fois de chez Garage. J'adore le mix des couleurs avec le gris, bleu, jaune flash et brun comme ceci. Écoute, je trippe au bout. Donc le dernier col roulé que j'ai à vous présenter, c'est un col roulé comme ça, burgundy, un peu bourgogne, qui vient de chez Columbia. Puis dans le fond, ce que j'aimais de celui-là, c'est que le col est comme très gros. Il prend de la place, puis je trouve ça vraiment beau. Puis il est quand même long à comparer des autres. Fait que si vous cherchez des cols roulés dans ce genre-là, allez au Village des Valeurs, ils en ont tout plein. Et finalement, dans les vêtements, c'est un morceau que je trippe, mais... je pense que mes amis peuvent le confirmer à quel point je suis accro à ce chandail-là. Big Dancer, The Job I Chose. Bref, puis je te dirais que ça faisait 3 ans que je cherchais ce chandail-là, puis j'ai fini par le trouver, puis je suis tellement contente. Donc le prochain item, c'est mes souliers Stan Smith, puis qui sont un petit peu dégueulasses, ils sont très sales, parce que je les ai énormément portés. C'est rendu un de mes coups de cœur, pour vrai ça va avec tout, tu peux mettre ça n'importe quand, c'est full confort, puis c'est juste un passe-partout, fait que je trippe au bout. J'ai oublié de présenter 2 objets, j'ai comme pas rentré dans les accessoires, fait qu'on va les présenter là. Le prochain accessoire, c'est mon petit sac Matena, pis pour vrai... ça pime tellement ton outfit. J'aime que la forme soit genre ronde, bien précise, pis qu'elle soit pas molle. Ben je trouve pas tant si les sacoches molles, c'est un gros coup de cœur. Je pourrais plus m'en passer. Et ce qui va compléter la catégorie, c'est mon sac d'école Adidas Bourgogne. Tu sais, il a l'air petit quand même pour un sac d'école. Mais il y a tellement d'espace dedans, ça rend tellement d'affaires, fait que je l'adore énormément. Prochaine catégorie, les soins de beauté. Le premier produit, ça peut paraître un petit peu fuck all, mais c'est de la vaseline. Ouais. Ok, parce que dans le fond, dans la vie, moi j'ai les mains vraiment secs, comme c'est le désert du Sahara qui se retrouve sur mes mains. Dans le fond, ce que mon ami me dit, c'est que je prends ça, je mets de la vaseline sur mes mains, genre de même. Je mets des gants par-dessus mes mains, puis je laisse ça agir pendant toute la nuit. Puis le lendemain matin, genre la vaseline a juste tout rentré dans ta main, puis ça l'a juste tout hydraté. Puis ce traitement-là, quand je fais ça, j'ai l'air de parler d'un truc fucking scientifique, mais zéro. Puis mettons, je fais ce traitement-là 1 à 2 fois par semaine maintenant. Si vous avez tendance à avoir les mains ultra sèches,
Faites ça, pour vrai, ça sauve la vie de vos mains, je vous jure, c'est magique. Le prochain item, ça peut être un item que tout le monde utilise depuis des années. Moi, il était temps que je l'essaye, fait qu'il y a quelques mois de ça, je l'ai essayé comme pour de bon, puis depuis ce temps-là, je ne peux plus me passer de cette chose. Et dans le fond, le produit, c'est le shampoing sec de Baptiste. Dans le fond, moi, j'ai le Coconut et Exotic Tropical. Ça marche tellement bien, fait que si vous cherchez un bon shampoing sec, puis que vous savez pas l'existence de Baptiste, allez vous acheter celui-là. Il est disponible dans plein de couleurs. Il est disponible pour les cheveux bruns, il est disponible pour les cheveux blonds. Il y en a plein. J'ai récemment découvert ça par plusieurs youtubeurs, puis je m'étais jamais décidée à l'acheter. Puis je sais pas pourquoi, il y a une soirée, j'ai vu ça, j'ai dit ah, je vais l'acheter. Fait que je l'ai acheté. C'est un produit vaporisateur pour la peau. Dans le fond, ça peut sauter ton maquillage. Dans le fond, ça peut setter ton maquillage, ça peut hydrater ta peau, ça peut faire tellement d'affaires. J'ai comme pas tout eu ce qu'il pouvait faire, là, mais ce qui paraît, ça peut faire énormément de choses. T'en mets là, tu te sens rafraîchi de la vie. Ça fait comme une fraîcheur dans le visage. Fait que c'est pas mal ça pour le Mario Badescu. Bon, maintenant, dans le maquillage. Mon coup de cœur que j'ai découvert, puis que dans le fond, il traînait sur ma table depuis comme un an, puis que j'avais juste jamais utilisé parce que je sais pas, écoute, je c'est mon Beauty Blender avec son petit savon ici présent. Je le garde dans sa boîte ici parce que, écoute, je trouve ça un peu crasse de laisser mon Beauty Blender dans ma trousse à maquillage puis être genre... Ok, il y a comme eu un petit problème parce que après la partie du Beauty Blender, bref, après la partie de mon éponge, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu tout le reste. J'espère que vous allez m'aimer quand même. Fait que, c'est ça. Donc c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut!